Nankunda Changa. Chali et Kouala. Ugo Nyame est un artiste musicien, compositeur d'une cam. Ugo Nyame était d'abord un footballeur. Après le foot, j'ai pris la musique comme métier. Mon papa était d'abord musicien, il était chanteur dans une chorale, donc j'ai hérité ça de mes parents. J'ai commencé par la chorale, et après j'ai arrêté, j'ai pris le foot comme métier, mais avec le foot ça n'a pas marché. Subitement j'ai pris la musique. J'ai commencé la musique, ça fait au moins 20 ans que je suis dans la musique. En 2000, mais je n'ai pas pu parce que mon producteur, c'était d'abord Kalangangé, qui était d'abord le producteur de Te Pardon Madame. Donc, il m'a dit, bon, moi je voulais m'arranger avec, je voulais faire une production, mais l'arrangement, j'ai voulu Tete Guillaume. Donc, ça m'a tourné. L'album est parti à Paris. Ça fait au moins 2 ans là-bas. Ça fait 2 ans, je le bébé Valérie, et ils m'ont renvoyé ça avec Jackie Toto. Donc je n'ai pas pu voyager. Donc j'ai vu mon premier producteur, David Kalangangé. Donc je lui ai expliqué le problème. J'ai amené mon ami Joli Priso. Donc et Kalangangé nous a remis la bande. Donc, Pardon Madame sort en 2009. Pardon Madame, yeah. Ouvre-moi la porte, ouais. Quand je demande pardon Madame à la femme, donc c'est un ami qui s'appelait le feu Mandengedimo. Donc, on était ensemble et un jour, ça m'a pris, parce que là, il a apporté une nana et tout et tout. Le nana mangeait les bons sols de tonton Samy et tout et tout et tout. Et elle ne voulait pas, elle voulait pas libérer. Bon, j'ai demandé à Mandengue, est-ce que avec ton argent, ton argent que tu es en train de dépenser là, est-ce que ta petite t'a libéré? Il m'a dit, il m'a répondu non. J'ai dit bon, ok. Bon, je vais sortir une chanson pour elle. C'est pour ça que j'ai sorti l'album Pardon Madame, le titre femme. Oui, il y avait Joli Priso, Aoussa Drums, Moisso et la main, Atu Manga, Gaël Wondje, Achale, Nono Flavi, Erico, Studio Dubel. Cet album m'a rapporté beaucoup, hein. Parce qu'avec Pardon Madame, j'ai acheté mon terrain et j'ai construit une maison. Donc, ça m'a beaucoup rapporté. Petit Pays, c'est mon frère. C'est mon frère. Et c'est lui qui m'a encouragé. Parce que moi, je ne voulais pas sortir les albums et tout. Il me dit, frérot, comme tu vois là, tu as beaucoup de choses dans ton ventre là. Il faut sortir ça. Donc, j'étais obligé. Mais quand j'ai fait
pardon madame Chicotte, mais lui-même il était content parce que là il m'a dit bon, Hugo, tu as vu hein? On a fait les spectacles même à Paris avec Lady Ponce et tout. Les paresseux qui jouent là-bas et qui passent tout le temps à m'en parler des autres. J'ai mon lait de mouléni, et pour moi l'on a que tout. Pania Teman Chicotna, je veux les chicoter. Je veux les chicoter. Donc on doit chicoter les paresseux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas reconnaissants. Donc il faut le chicoter. Non, actuellement, je suis en plein studio là. Donc, au mois de novembre, avant le 20 novembre, il serait sur le marché. Nouvel album, Gigolo Ambulant. Je remercie beaucoup Joli Priso, Erico et Petit Pays. Pardon, madame, pardon, madame, yeah. Ouvre-moi la porte, oui. Aïe, aïe, mon à te Asseline est fatiguée. Oh, na tiana tem. Aougo na body, ouais. Oh, ba na tiana tem. Les paresseux qui jouent là-bas et qui passent tout le temps à m'en parler des autres. J'ai mon lente, mon lady. Donc, moi, le dingue, tu m'as. Bani a temba, chicote, na. Je vais les chicoter. Oh. Je vais les chicoter. Je suis l'artiste Hugo Yamin. Faites comme moi. Regardez le Hit Parade Vision 4. Bye bye. Les paresseux qui jouent là-bas et qui passent tout le temps à m'en parler des autres. J'ai mon lait de mon